Des premiers pas hésitants en terre inconnue. Le Béarn a accueilli aujourd'hui les premiers migrants en provenance de Calais. 40 hommes, jeunes et seuls, arrivés peu avant 10 heures dans un bus très encadré. 35 Soudanais, un Érythréen, un Irakien et 3 Afghans. La préfecture et la commune de Gélos les accueillent dans le grand centre de Bettrette jusqu'en mars. Très ému de vous voir ici aujourd'hui. Lorsque le bus est arrivé, nous avons eu une émotion assez importante en vous voyant. Les visages sont visiblement marqués par le long voyage et les semaines passées à Calais. Les mots de réconfort sont les bienvenus. La jungle n'était vraiment pas un lieu pour vivre. Nous sommes contents d'être là. Nous aimons cet endroit parce que nous voulons commencer une nouvelle vie avec les Français, dans la paix et la légalité. À Gélos, ces hommes vont disposer d'une chambre individuelle, de soins et d'accompagnement personnalisés. Ici, ils peuvent aller et venir comme ils le souhaitent. Nous ne sommes pas dans un centre de rétention. Nous sommes ici dans une situation, une solution transitoire. L'essentiel, c'est d'orienter ces personnes vers ce parcours migratoire apaisé. Les équipes sociales vont être là pour les guider, dans finalement commencer à réfléchir à ce qu'ils souhaitent faire par la suite. Vous savez qu'ils sont chez nous pour une première phase de répit et de repos, une réflexion qui va les amener à décider si oui ou non ils souhaitent demander l'asile politique. Une soixantaine de personnes des alentours se sont aussi proposées pour aider ces hommes aux côtés des travailleurs sociaux. 50 autres migrants sont attendus demain à Pau et Oloron-Sainte-Marie.